Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Hendrik au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications, ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'Hendrik au Real Madrid. Selon les informations de la presse espagnole, le Brésilien Hendrik Felipe, de 15 ans, a déjà décidé de rejoindre le Real Madrid. Cependant, le règlement de la FIFA pourrait retarder le transfert jusqu'en 2024. Depuis plusieurs mois, tous les grands clubs du football mondial se rendent régulièrement en Amérique du Sud pour voir jouer le jeune Hendrik Felipe, que beaucoup de Brésiliens appellent un talent générationnel. Cette information a été confirmée par plusieurs gros médias en France, comme par exemple 90 Minutes, qui ont confirmé que le sud-américain de 15 ans, Hendrik, a fini par choisir le Real Madrid, bien qu'il ait également suscité l'intérêt du FC Barcelone, de Manchester City, de Manchester United, Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, Porto ou encore Benfica. Plusieurs sources ont confirmé que l'avant-centre de Palmeiras avait pris la décision de jouer avec la capitale espagnole car elle considère depuis longtemps les merengues comme son équipe préférée. Cependant, le Brésilien Hendrik ne pourra pas rejoindre le Real Madrid avant 2024 lorsqu'il aura 18 ans en vertu de la réglementation actuelle de la FIFA qui vise à garantir aux jeunes joueurs un environnement stable autour d'eux avant d'effectuer un transfert international. Les règles sont différentes si les joueurs sont transférés entre des pays de l'UE à condition que le joueur provienne d'un pays membre. Mais comme Hendrik est brésilien, le Real Madrid devra demander une exemption ou attendre son 18e anniversaire. Néanmoins, le Real pense qu'un accord peut être conclu après avoir déjà parlé à la famille d'Hendrik. En effet, il a déjà été l'invité du club ces dernières semaines, son père postant sur Instagram des images de leur voyage en Espagne à Madrid. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée d'Hendrik au Real Madrid est une bonne idée? Ou est-ce que selon toi, l'arrivée d'Hendrik au Real Madrid est une très mauvaise idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications, ça reste, c'est évidemment, c'est le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.